juin dernier, la Haute Autorité de Santé a donné un avis favorable concernant le flutométhamol 18F, qui est un médicament radiopharmaceutique indiqué pour l'imagerie en tomographie par émission de positons, appelée TEP, dans le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. C'est une bonne nouvelle dans le parcours diagnostique de la maladie d'Alzheimer, mais il est important de souligner que le remboursement n'est réalisé que dans certains cas. En effet, il n'est possible que lorsque la personne malade présente une forme clinique atypique, c'est-à-dire des symptômes atypiques ou un âge de début précoce, et si la cause du trouble cognitif reste incertaine ou si la ponction lombaire est contre-indiquée ou non concluante. Le diagnostic de la maladie d'Alzheimer est basé tout d'abord sur des tests neuropsychologiques pour détecter la présence d'un trouble cognitif, complété par une IRM et des examens biologiques sanguins. Dans le cas des formes atypiques, comme par exemple des troubles cognitifs légers ou dans le cas des malades jeunes, il est nécessaire de procéder à une ponction lombaire ou à une imagerie en TEP. Rappelons qu'actuellement en France, encore une personne sur deux ne serait pas diagnostiquée, du fait notamment d'un défaut de repérage des troubles cognitifs en soins primaires, c'est-à-dire le repérage par les médecins généralistes. Pourtant, l'intérêt de poser un diagnostic est démontré. Même s'il n'existe pas encore de traitement curatif, avoir un diagnostic posé de maladie d'Alzheimer permet d'accéder aux aides nécessaires, d'adapter le parcours de santé et les modalités d'accompagnement du malade et de préserver sa qualité de vie. Il est donc important d'optimiser et de rembourser les techniques diagnostiques de la maladie d'Alzheimer pour une meilleure prise en charge des patients.